Eh bien, chaque niveau aura un semblant d'échec. Chaque niveau de ton ascension. Et tu dois savoir garder le sang froid, garder la tête haute. Tu dois savoir conserver le mindset. Maintenant, de mon expérience, chaque fois que les choses se sont corsées, chaque fois que je reste, je sens comme si ma tête va exploser. Mettons ça comme ça. Je ne suis pas là pour parler de vos rêves aujourd'hui. Si vous voulez parler de vos rêves, allez chercher une autre personne, pas moi. Donc, chaque fois que les choses se deviennent dures, chaque fois que tu as l'impression que ta tête va exploser. Et rappelle-toi de ceci la prochaine fois que tu auras un mal de tête apparent. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as demandées qui sont en train d'être apportées et ils ont besoin que tu gardes ton calme. Et tu ne peux pas t'affoler et garder ou bien recevoir ta bénédiction de la même façon. Ta plus grande tentation, ce sera de t'affoler. Ta plus grande tentation, ce sera de t'affoler et d'abandonner. Vous allez commencer à comprendre qu'il y a une relation, je ne vais pas appeler ça corrélation, un lien direct entre les énergies que tu ressens, comment tu te sens et l'univers et ta manifestation. Il y a des moments où on va lancer la maladie physique sur toi. Tu restes, tu te sens mal. Ça viendra. Ça arrive. Je bois de l'eau. Quand tu sens la maladie sur toi, ou bien une envie de dépression intense. Moi, avant, quand je grandissais, voilà, jusqu'à l'âge de 30 ans même, il me disait, mais moi, je suis une personne, ma vie est normale, je ne suis connectée à rien du tout. Pleine lune, les débuts de mois, les fins d'année. Ce sont les choses qu'avec le temps, tu vas devoir apprendre, maîtriser même et utiliser à ton avantage. C'est ce matin que je me suis rendu compte que même le sang des menstrues est très puissant. J'ai commencé à me documenter là-dessus. Pour inverser les choses dans le mental des choisis, on nous a fait comprendre que le sang des menstrues est impur. Ce n'est pas impur. Pensez-y. Le placenta vient d'où? De l'utérus de la femme. Et il se forme à base du sang qui sort de ton, qui est dans ton corps.
vous allez finir par comprendre que nous sommes tous connectés. Et les femmes sont hyper sensibles. Hyper sensibles. Quand il y a pleine lune, 2 jours avant et 2 jours après, si tu as un endroit à la montagne où tu peux partir, va là-bas rester. Tu as raison, ce n'est pas le sujet. Donc, je ne veux même pas en parler. Bonsoir, Gayé, Marie. Je ne sais pas si c'est plus le temps passe, plus je deviens comme ça, ou bien j'étais comme ça avant que le temps ait passé. Je ne connais pas. Vous pensez que c'était quoi? J'étais comme ça avant que le temps ait passé. Comment est-ce qu'il peut être connecté à la lune? Comment? Je suis qu'une petite fille. Je connais personne, moi. Comment est-ce que je peux être connecté au soleil? Comment je peux être la reine Jocelyne, cette reine qui est puissante? Moi, la petite fille ici. La fille de Monsieur Cour. Vous savez que dans les films de... des Marvel, ces personnes découvraient qui elles étaient. Au fil du temps. Et si tu es une personne très puissante, plus puissante que tu ne le penses, je dis bonjour. Si c'est toi qui bloques ton pouvoir, ils n'ont rien brisé. Ce qui sera, sera. La reconnexion se fera. Je n'aime pas être la victime dans l'histoire. Donc je ne peux pas dire qu'on m'a brisé les liens ou quoi que ce soit. Je reprends mon pouvoir. Écrivez ici ou bien dites très fort. Je reprends mon pouvoir. Allez-y. I take back my power. Ah, la reine Foster. Regarde. Il vient de détacher ça, c'est devant moi. Arrivé. Ce que j'aime le plus, c'est les grands là. J'aime beaucoup la texture. Je reprends mon pouvoir. J'ai paniqué une nouvelle. Comment savoir qu'on a un don? Je vais vous parler des caractéristiques des pouvoirs. Je suis restée ici l'autre jour. J'ai consulté une dame. Allez, on fait une petite pause cloche.
consulte une dame et dans la consultation, je me rends compte que elle a les mêmes caractéristiques que beaucoup de choisis ont. Les choisis sont. Les relations des choisis sont très attaquées. Très. C'est un peu comme si. Ils se sentent obligés de partir donner leur pouvoir. C'est la pluie. Et à chaque fois, les choisis donnent leur pouvoir à ces personnes qui leur font du mal. Oui. Les choisis sont des personnes qui essayent tant bien que mal d'utiliser leur énergie pour élever d'autres personnes. Et ces personnes ne voient pas. Tu as accouché en rêve, j'en ai rien à foutre. Tu m'as vu, je parle des rêves des gens. Est-ce qu'elle te dit interprétation des rêves? Et comme les choisis parlent peu entre eux, ils gardent leur déception. Et quand ils gardent ça, un peu comme une plaie qu'on n'a pas soignée. Et ça pourrit. C'est comme ça qu'avec le temps, tu as les pouvoirs d'un côté, mais d'un autre côté, tu es fragilisé par tes relations. Et c'est un peu comme si le choisi est sans cesse en train de chercher quelque chose de meilleur, un monde meilleur. J'espère aussi que le prochain homme sera bon. C'est vrai qu'il y a des périodes où on se fatigue. Mais je suis là ce soir pour te dire, n'arrête pas d'espérer. Je me suis. Crois à nouveau. Crois à nouveau. Dream again. Rêve encore. Je parlais avec un ami aujourd'hui, un ami de longue date. Et c'est pour ça que je dis que je comprends les. Je commence progressivement à comprendre les phases. Les phases de la vie. On cause, après un niveau, on se retrouve en train de parler. Parce qu'en même temps, il est psychologue. Et là, il me demande comment tu vas? C'est un peu comme si son comment tu vas là, ça venait scanner les 2 dernières années de ma vie. Et c'est là que je vois, je fais un scan rapide, je me dis, waouh. Parfois, on peut se focaliser tellement sur quelque chose qu'on oublie. Il y a quelques années, j'ai décidé que je deviendrais riche. Ceux qui écoutent ou qui ont déjà regardé Napoléon Hill, vous savez qu'il dit toujours, quand tu décides de devenir riche, tu dois décider ce que tu vas donner en échange. Il n'y a que le pauvre qui croit que il va se mettre, Seigneur, donne-moi. Il se réveille le matin, il voit l'argent devant. Nathalie, bonsoir. Et je savais qu'en échange,
j'allais devoir mettre de côté certaines parties de ma vie. Tu ne peux pas avoir 10 enfants que tu as accouchés. Tu es une femme que tu as eu 10 grossesses. En même temps, tu as construit tout un empire qui vaut 5 milliards de dollars. En même temps, tu es mariée et heureuse dans ton foyer jusqu'à ton mari et toi, vous vous appelez toutes les secondes. Oh là là, vous dormez, vous passez des heures à dormir. Olive, bonsoir. Choisis ta part. Choose. Quand j'ai compris dans la vie que, attends, on part à l'école, on fait la licence, le doctorat pour revenir gagner l'argent. On va en bain, on prend le passeport, on prend tout ça là, on travaille. Tout ça pour gagner l'argent. Et vu que tout le monde cherchait l'argent. Mais moi, j'ai pris le raccourci. Je veux d'abord l'argent. Parfois, votre vie tourne en rond parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Tu as trois gars. Ils te draguent, ils sont au téléphone avec toi 3 heures de temps par jour. Tu as trois business que tu as failli commencer, tu n'as jamais commencé. Tu es dans un travail où tu ne te mets même pas à fond. Tu es sur le téléphone, tu regardes les TikTok toute la journée. En fait, tu n'as rien dans ta vie que tu as commencé avec violence. Je me suis dit, si je veux n'importe quoi, même s'il veut connaître qui je suis, j'ai besoin d'argent. Peu importe ce que tu veux faire, la chose te coûtera de l'argent. Nous sommes dans un monde capitaliste. Même pour que les gens t'aiment, tu as besoin d'argent. Tu as essayé de draguer une fille, tu es pauvre. Les gars qui ont les belles voitures savent de quoi je parle. Tu viens chercher une fille avec une voiture, les chaises en cuir. Dès qu'elle entre ça là, elle t'aime déjà. La pauvreté, c'est une maladie. Dès que la fille s'assoit dans ta voiture, je ne discute pas avec toi. Comment tu dis quel est l'intérêt de cette discussion? Je ne suis pas en discutant avec toi. Attends, je te bloque. Tu dis quel est l'intérêt de cette discussion? Tu me connais? On se connaît. C'est pas tout le monde qui peut me comprendre. Mes pensées sont dans une autre galaxie. On n'est pas sur la même planète. Les pensées sont d'une autre dimension. Je suis trop en avance sur ma génération. Daniel, partez en inbox vous parler. Pardon. S'il vous plaît. Toute personne qui a un rêve, allez ailleurs chercher les gens qui ont interprété vos rêves.
Amber, bonsoir. Malgré tous les livres auxquels on a accès sur les réseaux sociaux aujourd'hui, toutes les connaissances, il y a des personnes qui n'aiment que les choses qui ne vont pas les aider. Pourquoi on t'a forcé à aimer Jésus? Pardon, il va te bloquer. Même le combat des religions que vous faites là, ça donne l'argent. Monsieur Yaya, bonsoir. Tu as déjà vu, tu es parti à une banque, tu as dit que voilà, j'étais d'abord chrétien, après je quitte. Les combats des religions, ça vous aide à quoi? Votre focus est éparpillé. C'est comme ça qu'au premier obstacle, vous tombez. Premier obstacle. Quelle que soit la génération dans laquelle on se trouve, il y aura toujours des leaders qui vont se lever. Des leaders qui vont garder le focus sur ce qu'ils veulent faire. Le noir, je vais te bloquer, ok? Attendez, je vais bloquer quelques personnes sur TikTok. Vous commentez même pourquoi? Vous ne racontez que des conneries. Parfois, je me dis, mais comment les filles sont aussi bêtes? What's happening? Vous faites exprès? Tu es arrivé du sang. J'en ai rien à foutre, moi. Attends, je te bloque. Ben, monsieur, vous avez d'autres comptes. Tu as besoin de ton soutien. Je n'ai pas de soutien, je n'ai que le caleçon. Vous n'êtes pas, en anglais on dit content. Vous ne pensez pas que vous avez les clés en vous. Vous passez du temps et dont les réseaux sociaux vous ont rendu bête en fait. Vous likez des trucs qui sont des trucs à la con. Et ça vous abrutit encore plus. Et vous ne vous en rendez pas compte. Olivier, bonsoir. J'ai développé la capacité que si je vois même quelqu'un qui peut tomber dans le trou, je ne vais pas moi lui dire. Vous n'êtes pas distrait, qu'on est souvent distrait. Vous n'êtes pas distrait. Tout, c'est le choix. Ce n'est pas parce que quelqu'un a 30 ans qu'il est adulte. Il y a des immatures qui ont 35 ans. Moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu un sens de maturité, de responsabilité. Quand je restais avec mes cousins, cousines, j'étais toujours posée. Pardon, une minute. Hein. Allô?
Oui, j'ai pris. Oui, ça s'est calmé. D'accord. Merci beaucoup. Merci, merci. Bonne nuit à toi. Comment se protéger avant d'aller aux funérailles? Tu parles avoir fait quoi aux funérailles? Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des événements auxquels vous n'êtes pas censé partir? Un jour, je suis partie honorer de ma présence une de mes. Je ne sais même pas qui c'était. Ça, c'est quand j'essayais de me faire des amis. J'essayais. J'ai vu tous les tatous. Comment on se casse pour aller au funérailles? J'ai dit, mais non, c'est pas, je comprends pas. Et il te disait que non, tu sais, c'est comme la cotisation. Tu pars sur pour elle comme ça, quand ta part va aussi arriver, elle va venir. Je dis, mais non, c'est. On reste d'abord dans. Donne des parties à l'agence à 20h. À 23h qu'on est quitté. On est arrivé là-bas à 5h30. Hey, non, non. Si je ne pars pas au funérail, là, on ne va pas faire le funérail. Moi, je vous dis que si ma part vient, ne venez pas. Ne venez pas. C'est le funérail de ton papa. Il faut partir, mon ami. Je n'ai pas moi les astuces. Et ce que je remarquais, c'est que les personnes s'investissaient tellement sur des choses qui étaient éphémères. Tellement. Vous ne voyez pas que je réponds pas à vos questions? Maïtika, tu as vu que j'ai répondu à ta question précédente ou bien? Je ne réponds pas. Continuez de poser. Donc, l'être humain fait de son mieux pour waste, donc gaspiller son temps. Oui, t'es belle, il est beau, mariez-vous. Dès que vous vous mariez, faites des enfants. Vous commencez à faire un, faites encore le deuxième. Faites encore le deuxième. Faites trois enfants, non? Qui dirige ta vie, ma chérie? Qui dirige ta vie? Solange, bonsoir. Tu te lèves, tu vas partir au Canada. Tu pas fait quoi au Canada? On t'a dit que. Je vois souvent comment les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas eu le visa. Hey, ma vie est finie. Prends 4 millions, tu mets dans le visa. 4. Jesus. C'est TikTok qui t'a invité, papa, c'est pas moi. N'ayez pas peur de prendre vos propres décisions et d'assumer vos propres décisions. J'ai décidé de rester, de partir vivre au Gabon. J'ai décidé d'aller vivre au Rwanda. C'est mon choix. C'est mon corps, non? C'est ma vie, non?
You don't have the power to stress me. Me. Nobody has the power to stress me. Why should I stress? Je stresse pourquoi on me donne l'argent. Même les gens qui me donnent l'argent ne me stressent pas. Même ceux qui me mes clients ne me stressent pas. Quand un client me stresse, je l'envoie au champ. Il me connaît. Un client commence à faire que ni. Je dis, madame, je vous rembourse comment? Je l'envoie ton argent. Tu ne connais pas les démons avec lesquels je suis en train de dealer derrière toi. Pour te sauver. Tu viens, tu veux me parler mal. Hey, pardon. You know if you stress me. Oui. Depuis là, j'ai marié ça depuis 18 heures que je suis partie. Je suis au bureau, je vais bosser. Merci beaucoup, je vais bosser tout à l'heure. Merci. Oui, oui. Oui, dépose, pardon. À demain alors. Odaya, je te donne une balle, pourquoi? Je te donne pas de balle, moi. C'est un peu comme si les gens ont peur d'être eux-mêmes de nos jours. Les gens ont peur de s'assumer. How much is the chain? I just received it, you know. Je viens de recevoir ça, je suis en train de vouloir mettre sur mon cou. Just arrived. Venu de la Belgique. Avec les pierres. This one, I'm not selling it. Il ne vend pas ça. Avec ça. Je vais faire mon hôtel avec. I'm going to build an altar with these stones. This is the biggest one. This. I got like three of these at home. I added one today. Mais j'ai pas encore compris que les choses spirituelles, c'est l'argent. Quand il voit quelqu'un qui commence à dire que non, je n'ai pas l'argent, il dit que tu ne sais même pas ce que tu veux. Yeah, jewelry is it's here, but when most of them, when they come, I don't display all of them because I keep some of them at the back. Some of these I buy from the US and everything. So when it comes here, if people are not buying, even me, I just use it myself. Like, I got like 20 here. I can keep all of these. I can keep this for myself. This is like 1,000 euros. Tout ce que j'ai devant moi là, c'est presque 1,000 euros. Mais je peux mettre ça sur mon hôtel ici, là, ça me dérange pas mal. I just keep here for myself. Because people are like, when you want to sell it to them, they're like, oh, it's too expensive. I'm like, please, oh. Laissez-moi, j'enjoy my shoes. Ah, chacun sa chance. Odaya, you're lovely. Si tout le monde pouvait écouter mes conseils, chacun devrait ranger sa vie. Mes conseils t'arrachent un peu du stress. C'est bien, ma chérie. Si tu mets en pratique, c'est super. I'm the type of person that I open my restaurant. I cook food. You don't eat. I eat. The rest, I bring it to the orphans. I can even open a restaurant just for orphans. I don't like clients to give me a headache, you know. Je n'aime pas que les clients me donnent mal de tête. Because I know the value of what I need. I know the value of what I give.
Non, non, don't worry. Les vraies personnes viennent, ils prennent mes choses. Hein. Les vraies personnes achètent mes choses. Je vends mes choses. I sell my stuff. And for me, quand tu commences à t'ouvrir, oh, Jésus a guéri sans demander un centime. Non, moi, il demande moi l'argent jusqu'à. Jusqu'à. Si ça te dérange, je m'en fous. Tu as compris, ma beau? Je ne suis pas Jésus, moi. Tu vois, je ressemble à Jésus? Tu vois, il y a Jésus sur moi, tu vois? Tu as vu, je ressemble à Jésus. Jésus a guéri, il n'a pas demandé l'argent. Tu m'as vu, c'était que sur Jésus. Moi, ne riez pas, je parle sincèrement. Je ne suis pas Jésus. Je ne compte pas dépasser Jésus. Ok? Voilà. Calmement. J'aime bien ce truc, ce dicton qui dit que même si on prend toute la richesse de la terre, on donne équitablement à tout le monde. Au bout de peu de temps, les pauvres seront redevenus pauvres et les riches seront redevenus riches. Voilà. Parce qu'il y a des personnes que... Par exemple, je vous ai dit récemment qu'on est en train de cotiser de l'argent. On cotise des sous pour les dons que vous ferez ce mois et pour les quelques futurs mois. Le bain de sel est vraiment magnifique. Ah, plus de désir sexuel. Mais c'est super. Online business, tu vas enfin te concentrer sur ton business. Donc le 18, nous allons contribuer pour la, le lancement de la construction de leur immeuble. C'est un tour de deux étages. Deux niveaux. Donc, nous avons commencé à lever les fonds pour ça. Et il y a des personnes qui se lèvent et qui donnent des sous. En fait, les gens pensent toujours que les œuvres, quand tu fais du bien aux gens, tu ne dois pas, ça ne doit pas te rapporter de l'argent. Dieu connaît. Il y a des personnes parmi vous. Vous faites tellement de bien autour de vous que s'ils vous donnent plus, vous allez aider plus. Il y a des personnes que même si on vous donne gratuitement, pourquoi tu donnes à quelqu'un, tu ne donneras pas. Et je trouve que c'est un peu désolé, c'est triste. Souvent, je vous rappelle, je vous ai parlé de l'incident qui s'est passé une fois quand je recevais les gens chez moi le premier. On donne la boisson gratuitement. En donnant, on se rend compte à la fin que pour trois bouteilles de boisson qui restaient, il y avait cinq femmes. Elles commencent à se discuter la boisson. Je leur dis que vous êtes chez moi, c'est moi qui vous ai donné. Donner aussi aux autres. On donne. Elle se discute toujours. Je dis, waouh. Donc, il n'y a pas une personne qui va dire, bon, prends ma soeur. Moi, ça m'a beaucoup fait mal. Hein. Que je m'égosille ici en ligne, je parle tous les jours. Mais vous ne comprenez pas. Il y a plus de bénédictions à donner. Donner. Oh, l'anniversaire était super. Ça s'est bien passé. Tout pour vous, c'est qu'on vous donne. Dis-moi. Dis-moi. Aide-moi. J'ai rêvé de telles choses. Ça veut dire quoi? Donc, il n'y a personne là-dehors qui peut voir ou chercher quelqu'un qu'il peut aider. Quand Jésus disait souvent génération perverse, chacun fait des vidéos, voit des personnes qui vont apporter du contenu gratuit aux gens.
Linda, bonsoir. Les personnes riches donnent plus. C'est pour ça qu'ils sont riches. Un jour, j'ai fait la fête. Ça fait 4-5 mois, j'ai fait une grande fête chez moi. Et j'ai des personnes, des connaissances. Et une connaissance qui est venue, elle a pris les condiments jusqu'à prendre même le poivre. Mais dans le sac, parti avec. J'étais choquée. Les condiments qu'ils avaient achetés, feuilles vertes, poireaux, j'ai dit que, mais quand même. Aller même dans le congélateur, prendre la viande qu'on devait préparer pour les enfants la semaine d'après, parti avec. Il dit, je comprends pourquoi certaines personnes resteront éternellement pauvres. Déjà, tu viens quelque part pour manger. Tu n'apportes rien. Tu ne participes en rien. Tu prends, prends, prends. Donc, ton nom, c'est Gimme. Gimme, my name is Jimmy. Gimme some money. Je vous dis tout le temps, l'univers est juste. Tout ce que tu fais, c'est pour ça que vous voyez des personnes souvent, leurs enfants, ils errent dans la vie. Une de vos voisines voulait la viande de ton arrière-grand-mère. Oh, ça c'est trop quoi. Donc quand vous envoyez à la grand-mère, comme la grand-mère est vieille comme ça, elle vient prendre. Et ils ne savent pas que quand ils reçoivent, ils bénissent le donneur. Toi qui reçois, tu libères la bénédiction sur le donneur. Ce n'est pas parce que tu as appris qu'il va devenir pauvre, toi tu vas devenir riche. L'univers lui donnera demain. Depuis que j'ai su ça. Et si l'on parle comme ça, hein, vous là qui me regardez, vous êtes tout chiche. Et Joanda, tu me suis sur TikTok donc. Tu es chiche, pourquoi? On n'a pas. Il y a eu des employés qui étaient chiche comme tout. Et quand tu les regardes, tu n'as pas envie de leur donner un pourboire, ni une augmentation. Donc quand tu vas dans un, je te dis, je peux me mettre qui sur ce poste-ci. Leur nom ne vient pas dans ta tête. La chicheté. Blaguer toujours. Mon patois n'a pas d'importance, ma chérie.
Non, c'est pas le biscrème. Le biscuit au riz. C'est assez très sain, je pense. Tu as besoin de moi. Moi, je vais te bloquer. Ne veux pas le harcèlement. Monsieur le Noir, bonsoir. Des fois, je cherche à avoir des conversations enrichissantes. Tellement les personnes sont vides. Sont comme des tonneaux qui font du bruit. Ils aiment ce qui est sans importance. Ne donne pas pour attendre. Sommes-nous obligés de laisser les gens prononcer des paroles de bénédiction sur nous après avoir reçu? Attends, quand quelqu'un te donne quelque chose, c'est toi qui as reçu qui dois dire merci? Même si la personne ne bénit pas, l'univers a déjà noté. Hein. Univers voit tout. Ah, tu as acheté le don-moi tout, ma chérie. Achetez mes produits. Hein. C'est fou, je ne vous parle ici, là, je ne fais jamais la publicité de mes produits. C'est ceux qui en ont besoin qui vont comprendre. Merci beaucoup, Marie. TikTok, votre tout bug. Un choisi peut marier un autre choisi. Ce sera compliqué. Oh. L'orgueil va les tuer. Ils vont faire le bras de fer. Donne-moi tout, ça dépend du pays où tu te trouves. Au Cameroun, c'est 10 000. En Côte d'Ivoire, c'est 10 000 et 20 000 au Cameroun. En Côte d'Ivoire, il y a 15 000, il y a 25 000. C'est un parfum. Tu mets sur la langue ou bien tu mets dans l'eau pour te laver avec. Ça aide à tout te donner. Tu demandes ce que tu veux. Mes enseignements sont édifiants. Qui suis-je? Waouh. Toutes tes dettes sont en train de te restituer. I don't upload immediately. Some of my teachings are online. Some are not. Mais ma page YouTube a tous les enseignements. Mais au moins 400 vidéos en ligne sur YouTube. Et vous avez dit, la raison pour laquelle je ne donne pas tout ici, vous savez, la Bible dit que ce sont les rois qui doivent fouiller pour découvrir les trésors. Et je me suis rendu compte que les gens aujourd'hui aiment que tout soit servi sur leur pied. Quand c'est comme ça, vous ne valorisez pas. Je vais vous lire un témoignage. Il y a une dame qui est venue. Elle est venue au Gabon, ça fait... Je l'ai lavée au Gabon lundi, physiquement. Ça fait au moins un an que je travaille sur elle. Tu as trop de dettes, prends-le, donne-moi tout. Ok?
Attendez, j'ai le témoignage. Je me représente au Canada, et oui, il y a une caution que tu dois payer. Maintenant, le transport peut être notre petit problème. Bonne soirée, Mario. Donne-moi tout au Gabon, c'est 25 000. Oui, écris en une bourse, on va te répondre. Bon, voilà quelques témoignages. Allez, écris aujourd'hui vers 8h30. Bonjour ma reine, comment allez-vous? Lundi après le lavage, tout mon corps me faisait très mal. Je me rappelle le jour qu'elle lavait, elle arrivait à peine à marcher pour rentrer. Oui, il n'y avait que quoi dans son corps. En tout cas, elle n'arrivait même plus à marcher. Tout mon corps me faisait mal au point où je ne pouvais pas marcher. Donc, j'ai fait 3 jours allongé. Là, j'ai décidé de faire le gommage parce que je lui ai demandé de faire un gommage avec le sort de moi, c'est ça. Il y a l'huile de blindage, il y a plusieurs produits. Donc, elle a pris le sort de moi, elle a mis le sel dedans. Ah, c'est une nouvelle astuce. Tu prends le sort de moi, tu mélanges avec le sel. Tu fais le gommage sur ton corps avec. Tous les égrégores dans ton corps là vont sortir. Tout ce qui te casse le corps là, ça va sortir. Sort de moi, c'est le produit qui est très fort là. Vous avez ça dans le kit désenvoûtement. Ceux qui viennent de tomber sur ma page, allez un peu dans les vidéos, vous regardez, je vous en prie. Les gens qui ont les problèmes, vous voulez débloquer les visas, le mariage, les choses comme ça. Mais écoutez aussi beaucoup les enseignements que je donne. Parce que c'est votre croyance d'abord. D'abord. C'est pour ça que vous voyez, j'enseigne beaucoup plus que je ne parle de mes produits. La Bible dit, quand Jésus enseignait, ils étaient guéris. On est à Makepe, on est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. On est aussi à Libreville. Bon, je continue le témoignage à Adam. Donc, elle dit qu'elle a purifié sa maison avec la sauge. Elle a pris la sauge à Libreville. Après, elle dit, wow, ma reine, c'est pas moi, hein. Regardez. Ouais, ça. Ah, what you be this? Voilà. Ah, son message. Il n'y a même pas où. Attends. Voilà, ça, le téléphone, si vous montre bien. Attends. Il va zoomer sur son wow. Voici son mot wow. Vous avez vu. Elle fait wow, ma reine. Dans mon rêve, toutes les personnes qui m'avaient bloqués sont venus un à un remettre tout ce qu'ils m'avaient. C'est fou, j'arrive à lire à l'envers. Donc, toutes les personnes qui m'avaient bloqué sont venues me remettre. Tout ce qu'ils m'avaient volé et ils m'ont dit, ta reine, quand elle fait un travail à quelqu'un, ses guides restent avec la personne et protègent même après le travail. Ils font des tours pour surveiller si la personne est en danger ou pas. Et font le tour du monde pour surveiller et protéger toute personne qui sont connectées à elle. Ma reine, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Tu veux le déblocage du mariage? Commence par le kit fondation. Le kit fondation. Bonjour, mon retour pour le kit fondation. J'ai vu des personnes au début.
Et on m'a montré mes pouvoirs que je connais, mais dont je n'avais pas compris que c'était mes pouvoirs. Et j'ai encore à les comprendre. Avant la fin du kit fondation, j'ai fait un rêve où des vers blancs sortaient de mon corps. Je me suis sentie libérée. Attendez, je vais boire de l'eau. Bonsoir Willy. Le kit fondation, c'est un ensemble de produits que tu vas prendre et utiliser, ma chérie. Donc, elle dit dans son rêve, elle a fait un rêve où hier j'ai fait les courses. Il s'est passé un truc bizarre. Mon sac de courses s'est coincé. J'ai voulu le décoincer et paf, il a volé. Comme si j'avais une grande force. J'ai remarqué que mon énergie grande devant les gens depuis ce travail. Avant le kit, le sel, mon crédit s'est débloqué. J'ai pris conscience de pourquoi je suis différente. Bon, il y a des personnes sur Facebook qui vont vous écrire, ce n'est pas moi. On dit bonjour ma doudou, il te faut le déblocage de quoi quoi là. Je ne vous écrirai pas pour vous demander de prendre un produit. Et bien on vous dit que j'ai vu les trucs sur vous qui doivent être débloqués. Bonjour ma reine, j'ai écouté le dernier vocal dans le groupe. Moi, le quatrième et cinquième jour de l'utilisation du kit fondation. J'ai rêvé d'une femme d'un certain âge que je ne connais pas. Moi, j'étais dans une prison. Je lui ai demandé de me libérer. Elle m'a dit, libère-toi toi-même. J'ai ouvert la porte de la prison qui n'était pas fermée. 2 ou 3 semaines après, j'ai rêvé d'un homme qui m'a tendu un portefeuille que j'ai oublié à un endroit. Et il avait rempli le portefeuille de billets de 50 et 100 euros. J'ai commencé à compter sans finir. Il y avait plus de 5 000 euros quand je me suis réveillée. Aïcha, première chose, on ne pleure pas. Quand tu tombes sur ma page, tu ne pleures pas. Je n'aime pas l'émoji des pleurs là. Je vous enseigne à vous battre pour vos bénédictions. On se bat pour ces choses. Donc, si tu viens ici, tu m'agaces, je te retire. Donc, ce n'est pas parce que tu vas pleurer que Dieu va te répondre. Tu comprends? Quand tu achètes mes produits, tu fais ça avec 7 jours de jeûne. Avant de commencer, tu écris ce que tu veux. J'ai une de mes employées qui a pris le kit le mois passé. Et dans ses prières, ses vœux, elle voulait savoir qui a tué son père. Elle dit donc que lors de leur réunion familiale, le frère de son père se lève. Il dit à tout le monde que c'est lui qui a tué. Il décrit pourquoi elle a tué son père. Là, la famille se demandait pourquoi il fait ça. Elle regardait seulement. Parce qu'elle savait ce qu'elle a demandé. Aïcha, tu viens de pleurer. Ça t'a fait du bien, j'espère. Sachez accepter vos émotions. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer. Mais après, tu finis de pleurer, tu essuies tes larmes, tu te lèves. Et... Et quand tu commences au travail spirituel,
travail spirituel, c'est progressif, ça augmente. Peut-être ta première partie de travail spirituel, c'est trouver. Première partie, c'est peut-être quoi? Trouver, avoir le visa pour le Canada. Quand tu trouves, obtiens le visa, tu perds le billet d'avion, tu pars. C'est ta première étape là-bas. Quand tu vas arriver au travail au Canada, il y aura encore les choses à faire, ma chérie. Le kit est disponible. Vous écrivez le numéro est dans la page là-bas. 237 693 50 22 66. Chaque étape de ta vie aura un blocage. Il y a des personnes qui ont fait le kit fondation. Achetez encore. Ça fait 5 mois que tu as fait, non? Par an, il faut faire le kit fondation même 3 fois. On t'a dit qu'il n'y avait plus de quoi, mamie. Ta famille te combat, tu as besoin de... Si quelqu'un parmi vous veut avoir mon numéro, il l'aura. Quand un gars te plaît, tu cherches son numéro. Comment tu fais? Prie pour ma fille, dites-le ici. Tu as vu, je prie pour les gens ici. C'est impoli sur TikTok. Quand tu vas dire prier, je vais courir. Je vais courir. Je n'ai rien à vous prouver. Comme vous croyez que Dieu va me punir parce que je n'ai pris pas. Vous ne pouvez pas dire bonsoir même. Faut arrêter un peu. Je ne dis même pas, enfin, vous êtes impoli, c'est bien pour vous. Une femme a pris le kit attirance au Gabon l'autre jour. Elle a utilisé, elle dit que son gars a apporté 4 millions, il lui a donné cash. Elle était contente jusqu'à. Je suis sûr qu'elle n'a pas payé la dîme, mais. C'est maintenant que j'y pense. Elle ne sait pas que 4 millions va finir. Oh, Seigneur. Elle est venue, elle a dit à ma secrétaire. Quand les gens souffrent, ils sont prêts à tout. Ils vont te promettre tout. La clé, c'est la consistance. L'équilibre. Il y a parfois des gens qui paient la dîme, après ils arrêtent. Si tu arrêtes, Dieu ne va pas me punir. Il ne va même pas te punir toi-même. Mais tu as juste à assumer les conséquences de tes actes. C'est tout. À un certain moment, je crois que c'était peut-être quand j'ai passé la trentaine. J'ai commencé à comprendre que je préfère aller au sport tous les jours ou 4 fois par semaine pendant 20 minutes. Au lieu de partir, faire 2 heures au sport une fois par mois. Pas un peu, je rentre. Un peu, je rentre. Un peu, je rentre.
Patou, bonsoir. Certains vous arrivez, vous croyez que ce sera comme avec les pasteurs là. Que tu fais un truc de pasteur là, tu dis, oh my daughter. My daughter. Welcome to my kingdom, my daughter. Non. Consistance, ma chérie. La capacité d'agir. Tant que personne ne te voyait. Si personne ne t'observait, pourrais-tu faire la même chose que tu fais? Welcome, my daughter. Well done, my daughter. Bijou, c'était juste une analogie. Personne ne bloque tes finances. Vous savez ce que vous faites sur vos finances. Les gens vont venir, tu vas leur dire, fais ça, fais ça. Dès que tu vas dire que paie la dîme, il est perdu. Il va faire comme le petit canard Adam. Tu vois Adam qu'on dépose dans l'eau, non? Adam! Adam! Adam est parti. Dès que tu devrais payer ta dîme, ça va venir. Adam! C'est Adam là m'avait trop fait rire. Adam est parti. Adamo, Adam has gone. Bénis-moi, prie pour moi, lave-moi, fais tout, mais ne me dis pas de payer ma dîme. Dès que tu parles de ça, je suis plus moi là. Moi, je suis ma patine. I'm gone. Merci, ma coco. Toi qui choisis, c'est toi qui crées ton monde. Avant de me lancer dans la spiritualité, j'avais déjà tout essayé. Je ne savais pas que j'avais une voie dans la spiritualité africaine. Mais quand Dieu montre ta voie, quand il crée ton chemin, ça vient. Je me retrouve dans la spiritualité parce que je découvre des choses qui m'aident. Et quand ça m'aide, je dis non, je ne peux pas rester sans dire aux gens. C'est comme ça que voilà, je parle de tout ce qui est découlé, le lavage au sel. TikTok, il y a 2 ans, est-ce qu'on parlait du sel sur TikTok? Les œuvres de charité ne couvrent pas la dîme. La semaine où je couvre le sel, je dis non. Je parle du sel en ligne depuis. J'ai commencé sur TikTok. J'en parle sur Facebook depuis septembre 2021. J'ai lancé TikTok en avril 2022. C'est depuis avril 2022 que je parle de ça en ligne. Parce que comme l'Africain, l'homme africain, quand il connaît quelque chose, il ne dit pas aux autres. La semaine où je tombe sur le sel, je vois le premier jour, je dépose 500 000. Deuxième jour, 500 000. Toi, donc, chaque jour, l'argent entrait, je criais. Et quand il revenait en arrière, ça, net, net, avec le sel. Il dit que non. I must share this thing with people.
Je ne peux pas voir un truc qui m'aide. Non, je monte pour Jean. Pourquoi? Je préfère que le choix soit sur toi. Oui. Seigneur, aide-moi. Tu tombes sur ma vidéo trois fois. Lavez-vous au sel. Tu te laves au sel? Oui. Tu te couches la nuit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin d'argent pour faire tes choses. Avant de te coucher, tu prends un petit coq, tu vois ça là. Lavez-vous au sel. Parce que Dieu connaît que tout ce qui me manque. Au départ, les gens m'ont approché, non? Parce que si tu dis tout en ligne, quand ils ont vu que quand ils partageaient, les gens faisaient ça marcher. Hey. Certains pour faire le buzz, ils portent, ils viennent, ils disent le contraire, que le sel n'est pas bon. L'autre, je vois même, il dit que c'est des pratiques, que le lavage au pipi, c'est des pratiques démoniaques. Il dit, papa, il n'y a pas le point. Dans la nuit, j'ai vu une autre personne qui me contacte. Elle parlait à ma secrétaire. Vraiment, tu es sûr que le kit là, c'est bien. Tu es sûr. Quand vous faites comme ça dans mon inbox, je vous bloque. Je tombe sur le message là qui voit la secrétaire en train de répondre. Je dis que, monsieur, ne me contactez plus. Je te bloque. Tu dis, ce ne sont pas les ignorants. Chacun connaît à son niveau, papa. Chacun connaît à son niveau. Je ne peux pas m'insulter quelqu'un ignorant. Parce que même le lavage au sel, je suis resté 33 ans sans connaître le lavage au sel. C'est pas la grâce de Dieu qu'un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai essayé, ça a marché. Et lui-même, il ne se lavait pas avec le sel. Ça, c'est l'ironie. Voilà, tu as fait ton bain de sel. Voilà, un temps que tu as dit que le lavage à l'urine, c'est démoniaque, non? Oui. Je vois la personne là qui parle à ma secrétaire. Après, il prend le lien de la vidéo. Que, là-dedans, le titre, c'était que pratique satanique, le bain d'urine. Et dit que partez regarder les gens qui font le buzz. Il vient vous faire le buzz, après passer la vave et l'urine. Toi, tu regardes, on s'en a comme une cougna. Comme une cougna. Ah, les gens sont hypocrites sur les réseaux sociaux. Écoutez, les gens sont hypocrites sur les réseaux sociaux. Faites attention. Noël, tu veux monter pour dire quoi? Hypocrite. Et là, il me dit que non, c'est une pratique satanique. Il y a des gens qui sont en ligne pour le buzz. Il veut les vues. Moi, je vous bloque. Je vous chasse de mes directs. Je dis ce que j'ai à dire. Je me lève dans la nuit, on me dit que va leur dire ça. Je pars, je vous dis. C'est les gens qui viennent regarder mes vidéos pour aller faire pour eux à partir de ma part. Mon inspiration vient directement d'en haut. Dès que j'ai vu la vidéo là que la femme l'a envoyée, il est bloqué. J'étais la plus bloquée, mais en 6 mois avec toi, je suis transformée. Papier de 10 ans, permis de conduire. Voilà. Je connais ce que c'est qu'être bloqué en Bengue. C'est vous qui cherchez le buzz, non? Allez regarder le buzz. Déjà, même que quand j'ai trop de personnes avec des énergies bizarres, que ce soit dans mon direct, dans mes formations, dans mes... Je n'aime pas parce que quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, ça se sent. Il y aura toutes des questions qui sont off. Tu dis, mais on a eu tout rien, bah. Ouais. Il copie mes vidéos, vous êtes derrière, non? Vous avez des astuces, non? C'est pour ça que moi, je demande de l'argent pour mes services. Je ne blague pas. Allez voir les gens pour les astuces. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans les astuces. Tu n'as plus une astuce pour le...
Tu n'as pas l'assise pour Ricky. Allez les voyants, ils vont vous faire des voyances gratuites. Moi, je suis comme allé là. Tu me payes pour la voyance. Tu ne veux pas payer, tu laisses. Tu ne veux pas payer, tu laisses. Il va même dire quoi. Hein? Depuis que je suis en contact avec vous. Tu étais simpleton, non? Elle dit qu'elle était simpleton. Y en a parmi vous, vous êtes maintenant en bain. Quand vous avez commencé, vous n'étiez pas en bain. Ce n'est pas terminé. Vous allez avoir la nationalité, vous allez vous marier, vous allez avoir les enfants encore. Ce n'est pas une astuce gratuite pour l'argent, non. Tu n'as pas précisé gratuit pourquoi. Vous n'avez pas une astuce gratuite pour avoir de l'argent? Oh, que tu es bête. En fait, tu veux tout pour rien. Tu veux tout pour rien. Les sacrifices, vous n'en parlez pas trop. Je n'y croyais pas, mais cela a ouvert des portes. Je ne parle pas trop de ça en ligne parce que c'est délicat. J'en fais, mais pour ça, tu dois passer le premier degré dans mes services. Tu ne me contactes pas le premier jour et te dis que vous faites le sacrifice. Non. Mon énergie, je la protège. Et je ne sais pas pourquoi, je n'aime pas me bavarder dans les oreilles sourdes. Hein. Je vous fais économiser mon énergie. Merci Nadia. Ce que vous demandez pour vos services n'est rien par rapport. Et qu'il y a les gens qui pensent que c'est cher, non? En fait, je suis trop zen dans ma tête. Je suis trop zen dans ma tête. Quand elle me lève là, s'il n'y a pas de, si aujourd'hui il n'y a pas de consultation, il me lève et part dans un bon endroit là-bas. Il m'assoit, il mange une bonne nourriture. Je voyage, je pars même au bord de la mer là-bas. Il m'assoit, je passe le bon temps. Je ne suis pas fait pour souffrir. Tu m'as fait pour souffrir, moi. Et que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, il m'en fout. Parce que derrière mon dos, là, vous parlez mal de moi. Je vous connais. TikTok. Oh là là. Partez dans les vidéos. Heureusement qu'ils ne regardent pas les vidéos des autres personnes. Vous partez en bas des vidéos des autres personnes. Quand ils disent que non, le bain de sel n'est pas bien. Le bain de pipi n'est pas bien. Est-ce que vous pouvez aller me défendre là-bas? Vous ne pouvez pas? Vous pouvez pas aller me défendre là-bas. Mais comme elle ne discute pas mes choses avec quelqu'un, quand elle dit moi ma chose, je ne me dérange pas. Quand tu connais ta chose, tu connais. Tes vrais gens vont venir. Dès qu'ils vont tomber sur toi, il y a des gens que quand ils tombent sur ma vidéo le premier jour, hey! Seigneur, voici la femme que je cherchais depuis. Certains parmi vous, vous avez même rêvé de moi, même 2-3 ans avant de tomber sur mes vidéos. Oui. Que le kit est tellement chargé que je trouve que le prix est trop bon. Mais certaines personnes ne vont pas comprendre. Tu prends le kit, le permis de conduire que tu as dépensé depuis 2 ans, tu es sur le permis, ça, tu ne fais pas. Les cartes de séjour, tout ça là. Quand je vois les gens qui viennent me faire le chantage, je dis, mais je vous bloque. Je vous bloque. Oh, hakabum. Hop. Otakana. Il faut seulement tenir bon cosmétique for everyone. Wilfried, j'ai vu ton message. N'écris pas toi beaucoup. J'ai rien vu. Tu m'as dit qu'il te plaît. Tu veux qu'elle réponde comment? Je ne fonctionne pas avec les flatteries. Je ne sais pas. Les flatteries ne me font rien. Bonsoir, Dim. Bon, il faut que je vous laisse. Mon chauffeur va bientôt rentrer. Il veut qu'il me dépose à la maison avant de partir. Chez moi, il y a la dalle, donc je n'arrive pas à vous. Il y a la dalle chez moi. Quand il fait la vidéo, le matin, il commençait la vidéo à la maison, ça n'a pas donné.
Le truc, c'est que quand quelqu'un trouve sa chose, il ne lâche plus. Si je dois courir derrière vous, you're not my person. I don't chase, I attract. Je suis dans ma mission de vie. Vous ne savez pas le nombre d'années que ça m'a pris. Vous ne savez pas ce que ça m'a pris pour me retrouver. C'est dit que, yeah, this is my life mission. Quand tu es dans ta mission de vie, ça vient à toi. Ça vient. Je ne dois pas essayer de te convaincre. Toi-même, il y a des gens qui me regardent. Ils regardent, ils ne commentent jamais. Après, il écrit que je veux tel qu'il prend, il fait. Même le témoignage, ça, il ne partage pas, il ne dit rien. Mais il sait ce que ça fait dans sa vie. Bon. Mon numéro est dans la bio. Si tu veux avoir mon numéro, tu vas trouver. C'est dans ma bio. Je suis. Il faut réserver la consultation, non? J'ai un collègue qui fait les consultations ici. C'est dans la bio TikTok. 237-693-50-22-66. Bonsoir à ceux qui font le night shift. Je me rappelle les night shift qu'ils faisaient. Hey, le night shift m'énervait. Pardon, sortez de là, vous arrêtez de travailler pour les gens. Jesus. Parfois, quand je vois le nombre d'années que j'ai travaillé pour pouvoir atteindre une certaine indépendance de mon temps, financièrement, je ne suis pas encore là où je veux. Je crois qu'il me faut encore peut-être 3 ou 4 ans pour mettre les pions comme je veux. Donc maintenant, quand tu... Personnellement, quand je me rappelle de ce que je faisais quand j'étais... Je me rappelle qu'on arrive là-bas à 20h, 21h. À 23h, on est déjà fatigué. Dans ta tête, tu imagines comment toute la nuit. Tu imagines ta tête à 2h, 3h, 5h. À 6h, tu es content. Il reste seulement 2h de temps, je pars à 8h. Tu nettoies les gens la nuit. Tu changes les couches. No be easy. Oh. Développez vos dons, s'il vous plaît. Trouvez votre mission de vie. Les formations, la formation a fini, est presque terminée. Celle qu'on a commencé en septembre, le 20 septembre. Tu vas m'appeler pour la consultation. Hein? Ne m'appelle pas. Et que tu me vois, je suis en train de vous forcer à venir. Ne m'appelle pas. T'as gagné, oui ou non? Passez une bonne soirée. D'autres se cachent pour dormir aux toilettes. Maman, l'autre là, c'était traumatisant pour moi. Je crois qu'elle fait souvent des cauchemars aujourd'hui par rapport à au temps où j'étais aide, tout là. Care assistant. That was just like, I didn't like it. Moi qui aime tellement le sommeil. Pourquoi vous me faites ne pas dormir? Why? Why are you doing this to me? I want to sleep. Tu changes les couches, tu le tournes comme ça. Vous faites, après on te donne la lingette, tu les suis, après tu le tournes comme ça. Et les gens là faisaient souvent les selles qui sentaient très mal. Jesus. I didn't like it. C'est dans ces endroits que j'ai commencé à former une vision pour mon futur. Je ne vais pas finir ici.
I won't finish. Like, soit je regardais les managers. Je savais que j'avais trop un truc, une intuition qui me disait, je suis plus intelligent que ces gens-ci. C'est pas parce que tu as eu le degree ou bien le master en quelque chose que tu es plus que moi. Non. Aller te reposer, non. J'ai passé la journée au lit. J'ai passé la journée à dormir. Le docteur m'a dit de dormir. Vous avez dit que je peux pas passer toute la nuit sans passer au bureau. Moi, je suis arrivé au bureau, ça fait même pas 1 heure de temps. C'est quand tu es dans la situation présente que tu façonnes ce que tu veux faire. Comme vous voyez, je suis souffrante. Et les médicaments, on m'a injecté cela, ils m'ont enlevé la bande sur ça. Et je sais que ce que je sais qu'il y a des gens là-dehors qui ont besoin de ce que je produis. Est-ce que cette année de mes études vont bien se passer? Mais si tu n'étudies pas, ça se passe pas bien, ma chérie. Comment tu veux me demander si tes études vont bien se passer? Faut arrêter ça. Hein. Allez chercher les bénignons là. Bon, bye bye. Est-ce que mes études vont bien se passer?